Eh bien, c'est une longue et très intéressante histoire que celle de la municipalité que nous allons présenter ce soir à Soirée canadienne. Nous n'essaierons pas de le faire, mais nous allons vous surprendre sans doute, parce que nous allons vous démontrer un folklore extraordinaire dans la plus grande ville de chez nous. Nous sommes effectivement ce soir dans la métropole, nous sommes à Montréal. Qu'il n'y a pas de folklore à Montréal, eh bien, ils en auront pour leur compte, vous allez voir ça. Nous allons tout de suite commencer avec une chanson qui sera interprétée par M. Yvon Gosselin. Bonsoir, M. Gosselin. Vous voulez bien chanter pour nous? Certainement. Qu'est-ce que vous chantez, là? Les filles de par chez nous. Les filles de par chez nous, puis tout le monde est ensemble. Les filles de par chez nous sont ratoureuses comme vous. Les filles de par chez nous sont ratoureuses comme vous. Elles ont fait un salon pour attirer les garçons sur la bouteille. Maintenant, place à la danse. Imaginez ce soir que nous sommes allés chercher à Montréal les meilleurs, ceux qui font vraiment du folklore professionnel, si l'on veut. Ils vont vous faire une petite danse qui s'appelle le capitaine. Ce sont les sortilèges. Je pense que vous allez sûrement les reconnaître. Mais pendant qu'ils se placent, moi, j'aimerais ici vous présenter les musiciens. Et ce ne sont pas les moindres, sûrement. Il a gagné plusieurs concours. C'est M. Yvon Cuillerier qui va jouer du violon. Bonsoir, M. Cuillerier. Et à l'accordéon, M. Raymond Dinel. Vous allez voir qu'il pitonne bien, celui-là. Allez voir ça. Et à la guitare, un grand spécialiste aussi, M. Paul-Émile Marvin. Ou Marvin, ou quoi? Monsieur Marvin. Bien, M. Marvin, vous êtes prêts? M. Dinel aussi, puis M. Cuillerier, puis les sortilèges sont prêts. Bien, c'est le temps. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.
Métropole francophone d'Amérique, Montréal constitue une curiosité du simple fait que ses quelques 2 millions d'habitants résident sur une île et ceinturent en même temps une montagne de 764 pieds de hauteur. Le touriste y découvre une ville à la fois ancienne et moderne, reconnue mondialement pour son hospitalité et sa légendaire joie de vivre. Les édifices du vieux Montréal rappellent les grandes étapes du passé de Ville-Marie depuis sa fondation en 1642. Le quartier entier a été déclaré arrondissement historique. De vieux bâtiments, très bien conservés ou rénovés, abritent maintenant des galeries d'art, des magasins d'antiquités, de charmants restaurants ou des boutiques diverses. On y trouve aussi la plus vieille chapelle de la ville, Notre-Dame du Bon Secours, ainsi que l'église Notre-Dame, probablement la plus belle en Amérique du Nord et rivalisant avec les grandes cathédrales d'Europe. Il faut aussi signaler la cathédrale Marie-Reine du Monde, réplique en demi-grandeur de la basilique Saint-Pierre de Rome, de même que l'oratoire Saint-Joseph, l'un des plus grands centres de pèlerinage en Amérique. Au cours des 15 dernières années, Montréal est devenu un pôle d'attraction pour le monde entier, grâce à son esprit d'initiative et à son courage. Ce fut d'abord, en 1967, la première exposition universelle officiellement reconnue en Amérique du Nord, Expo 67. Cette réalisation survit encore dans un parc de loisirs et de culture, terre des hommes, attirant chaque été des millions de visiteurs. Montréal s'est doté d'un métro dont le confort et la beauté ne cessent de provoquer l'admiration. Pour assurer leur diversité, les plans de chaque station ont été confiés à des architectes différents. En 1976, les Jeux olympiques ont donné naissance à un vaste complexe sportif dont le style d'architecture futuriste et la construction des plus imposantes tiennent de la plus pure science-fiction. En 1980, Terre des Hommes s'est métamorphosée en Terre des Fleurs à l'occasion des Floralies internationales. Cet événement d'une rare beauté se perpétuera au cours de chaque été dans le parc floral de l'île Notre-Dame. La vie artistique est fort active à Montréal. On y trouve la Place des Arts avec ses trois salles, Wilfrid Pelletier, Maisonneuve et Port-Royal, le Musée des Beaux-Arts, le plus ancien au Canada, le Musée d'art contemporain, le Planétarium d'art, unique au Québec et l'un des 10 plus importants en Amérique, le Jardin botanique, classé troisième au monde. À tout cela s'ajoutent d'innombrables cinémas, théâtres, musées et salles de spectacle. Sur le plan des affaires, Montréal est doté du plus important port de l'Est du Canada et l'un des plus actifs de l'Amérique du Nord. Les nombreux gratte-ciel et les vastes complexes commerciaux jalonnant son territoire témoignent de la vigueur de l'activité économique s'y déroulant. Montréal est également une capitale gastronomique. Sa haute cuisine a puisé bien sûr à son héritage français, mais elle a su enrichir sa table grâce aux diverses ethnies venues s'y établir au cours des siècles. De plus, l'hôtellerie montréalaise jouit depuis longtemps d'une réputation des plus enviables et contribue à donner aux visiteurs l'impression justifiée d'être hautement les bienvenus. Bien, j'inviterai cette demoiselle ici à nous faire sa petite chanson. C'est mademoiselle Lise Lebeau. Vous voulez chanter pour nous? Tellement. Qu'est-ce que vous chantez? Les petites filles de Sainte-Julie. Ah, les petites filles de Sainte-Julie, mais il y a des petites filles à Montréal aussi. On y va! C'est les petites filles de Sainte-Julie. C'est les petites filles de Sainte-Julie. Ah, qu'elles sont belles. 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 Il y en a une qui se marie. La plus jolie. La plus jolie. Oh, hi, ho, ho. La plus jolie.
ici. Merci beaucoup. Eh bien, vous allez peut-être vous poser des questions. Comment on a pu, dans une ville comme Montréal, où une population de 2 millions, comment on a pu découvrir les talents? Parce que c'est sûr qu'il y en a du folklore à Montréal. Mais où le trouver? C'est bien sûr que quand il a été question de d'art, on est allé chercher les Sortilèges, un groupe qui est bien constitué, qui donne des spectacles et tout ça. Mais au domaine des chansons, c'est pas la même chose. Mais un jour, j'ai reçu une lettre d'un groupe qui se nomme les Chanteux. C'est des gens qui font des chansons. Bien, il y en a un qui va nous en parler. C'est M. Angelo, M. Jean Angelo, qui est le président. Bonsoir, M. Angelo. Bonsoir, M. Bilodeau. C'est quoi ça, les Chanteux? Comptez-moi donc ça. Bien, les Chanteux, c'est un groupe qui s'est formé il y a 2 ans. C'est par M. Savard qui a fondé ça. Ah oui, c'est lui qui m'avait écrit d'ailleurs, M. Savard. C'est on va l'entendre chanter tantôt. Oui, c'est qu'il a demandé à ceux qui voulaient faire de la chanson, en chanter dans une soirée comme ça, à répondre. Il nous a demandé de venir ensemble. Puis depuis ce temps-là, ça s'est formé, ça s'est joint. Puis maintenant, on est 25-30 qui chantent ensemble tous les jeudis soirs, justement. Tous les jeudis soirs. Puis il y a de la place pour d'autres qui veulent se joindre à vous. Ah, bien, on invite tout le monde de Montréal. Où est-ce que vous faites ça? C'est de la région. Mais c'est-tu assez grave, toujours? Là, à un moment donné, avec une annonce comme ça, vous pouvez avoir des surprises. Ah, on a une salle aussi grande que la vôtre, M. Bilodeau. On reçoit la province, nous autres, n'oubliez pas ça. On reçoit Montréal, monsieur. Oui. Ah tiens, il y a un monsieur qui arrive avec quelque chose, oui. Un certain jeudi soir, vous étiez venu... J'étais curieux, je suis allé à votre petite soirée. Ça se passait dans l'école où vous avez fait votre cours primaire. Oui, je suis allé déjà quelques années à l'école Salaberry à Montréal, une vieille école. Donc, j'ai pris cette photo-là. Il y a cette photo-là qui avait été prise, puis vous l'apportez en souvenir. Merci. Qu'est-ce que c'est déjà votre nom? Coutu, André Coutu. André Coutu, merci beaucoup, André. Il chante ici, mais pas ce soir. Oui. Parce qu'il y a le rhume, apparemment. Je pense que vous êtes gâtés ce soir. On a 2 cadeaux pour vous. Oui, autres. Ah, ben c'est les Chanteux ont édité un petit livre de chansons, de 80 chansons du folklore québécois. Oh, mon Dieu, ça vaut quelque chose. Vous aimez chanter, vous? Oui, j'ai bien des bonnes petites chansons pour vous. Puis pour apprendre les airs, on a fait une cassette. Fantastique. On trouve, Monsieur Angelo, on va vous donner une pénitence pour tout ça. Vous allez nous chanter une chanson. Ah, j'accepte la pénitence. Oui, allons-y. Avoine, avoine, que la terre t'amène. Avoine, avoine. Il y a le petit moment où, habituellement, on s'adresse au maire. Je voudrais saluer le maire Jean Drapeau, avec lequel je me suis entretenu.
au moment où nous avons invité la ville de Montréal à participer à la soirée canadienne, il m'a dit, malheureusement, le samedi soir, pour moi, c'est absolument impossible. D'ailleurs, il m'a fait la même remarque déjà. Il m'a dit, je vais vous déléguer quelqu'un qui va bien me représenter, puis ça me fait plaisir ici de vous présenter un conseiller de Montréal, M. Jacques Martineau. Bonsoir, M. Martineau, bonsoir. Bonsoir. Mme Martineau, bonsoir. On va l'accueillir, M. Martineau. Que M. Martineau m'a dit, il m'a corrigé tantôt, ils avaient parlé de 2 millions à Montréal. C'est la CUM qui a 2 millions. C'est la CUM, oui. Millions. La ville de Montréal, c'est 1 million. 1 million. On dépasse un peu le million. Un petit peu le million. C'est ça. Bon. Alors, maintenant que les choses sont remises en place, je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous plaît, là, les talents qu'on a réussi à aller chercher à Montréal dans le domaine folklorique? Réellement, je pense que vous pensez... je pense que vous pouvez voir qu'actuellement, le folklore à Montréal il est en santé. Il est en santé. Alors, vous pensiez que c'était rien qu'en dehors de Montréal qu'on pouvait chanter nos chansons? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que le folklore, c'est seulement que campagne, puis c'est seulement que veiller, puis danse carrée, puis ainsi de suite. Mais je peux vous dire qu'à Montréal, le folklore, il est en santé, puis il y a beaucoup de troupes de folklore à Montréal. Heureusement qu'il est en santé. Je pense qu'il y a plus de folklore à Montréal qu'il peut en avoir dans toute la province. Maintenant, M. le maire, c'est bien sûr que si... Pardon, je suis habitué de dire M. le maire. Là, je vous fais passer pour M. Drapeau, vous avez un petit peu plus de cheveux que lui. Ouais, plus cheveux, même. Écoutez, habituellement, c'est sûr qu'on fait un tour d'horizon sur ce qui se passe dans la municipalité qu'on visite. C'est bien sûr qu'à Montréal, s'il fallait qu'on s'attarde dans tous les domaines d'activité à Montréal, on n'en finirait plus. Mais je pense qu'il y a peut-être possibilité que vous nous centriez sur un sujet en particulier qui pourrait peut-être surprendre les gens. Celui que vous avez choisi, c'est quoi? Moi, c'est les sports d'hiver plein air. Ah oui? Ah oui. Les sports d'hiver en plein air, ça se fait chez vous à Montréal? Ça se fait. Il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que parce que c'est... Montréal, il pense à l'édifice asphalte, béton, puis il ne peut pas s'imaginer qu'à Montréal, on peut faire tous nos sports favoris. Savez-vous qu'à Montréal, il y a 8 monts de pente à Montréal? Pour ceux qui veulent faire du ski de fond. Même les gens n'ont pas à parcourir de longues distances, ils peuvent même aller faire le sport favori en métro. Parce qu'ils acceptent les skis dans le métro. Ils acceptent les skis dans le métro. Oui. Ah, mon Dieu. Maintenant, la question de ski de fond, qui est le ski le plus populaire, c'est qu'on a 12 pistes à Montréal très bien aménagées, avec des chalets pour se réchauffer. Il y a même des foyers à différents endroits. Il ne faut pas aller sur la rue Sainte-Catherine pour ça. Non, il ne faut pas aller sur la rue Sainte-Catherine. Mais c'est où exactement? Mais les meilleures places à Montréal, bien, vous avez dans la montagne. On a la chance à Montréal d'avoir la montagne en plein centre-ville, ça aide beaucoup. Ben oui, c'est sûr. Maintenant, vous avez la montagne, vous avez l'île Sainte-Hélène, vous avez le parc Angrillon, puis vous avez le parc Maisonneuve. Le parc Maisonneuve, c'est l'ancien golf municipal. C'est à peu près le plus beau parc qu'on a moyen. Donc, en résumé, M. Martineau, vous voulez profiter de cette occasion pour inviter les gens de l'extérieur de Montréal à venir à Montréal pour pratiquer les sports d'hiver. Il est pas mal extraordinaire. C'est ça. Hein? C'est une témérité. C'est de grandes témérités. Ils vont être très bien reçus. Eh bien, il y a tout à Montréal, puis il y a même les sports d'hiver. Monsieur Martineau, merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup. Maintenant, je vais me tourner ici de mon autre côté et je vais vous présenter Monsieur l'abbé André Desroches. Monsieur l'abbé Desroches, bonsoir. Alors, tout de suite, je vous dis que Monsieur l'abbé Desroches représente ici Son Excellence Monseigneur l'Archevêque. C'est ça. Monseigneur Chimichella aussi. Oui. Qui salue tous les auditeurs. Et je me fais leur porte-parole avec plaisir pour vous saluer tous. Vous êtes vicaire à la cathédrale. Exactement, oui. Puis vous aussi, vous avez une petite correction à faire, là. Ah oui, concernant la cathédrale. Concernant une petite remarque dans le film. À Sherbrooke, on voit gros, vous savez. Oui. On voit la cathédrale de Montréal deux fois plus petite que Saint-Pierre-de-Rome, elle est trois fois plus petite. Trois fois plus petite. Alors là, les proportions sont remises à leur place. Bon, maintenant que ça s'est corrigé... je voudrais aussi souligner que chez vous, à la cathédrale, actuellement, vous abritez son éminence le cardinal Paul-Émile Léger, auquel nous allons rendre nos respects. Ah oui, puis qui est en parfaite santé, qui fait du ministère exactement comme un jeune vicaire. Oui. Il prêche, il entend les confessions, il dit la messe tous les jours, il chante en plus. Oui. Ah, il anime, il surprend à animer la foule. Oui. Comment est-ce bon?
Oui. Maintenant, à Montréal, là, à la cathédrale même, il y a une vie paroissiale, même si c'est en plein cœur des activités d'affaires Monsieur à Montréal. Monsieur Martineau disait qu'il y avait des foyers pour faire réchauffer les gens. Nous autres, on a un bon foyer pour faire réchauffer les clochards chez nous. Ah oui? Et tous les marginaux, les gens aussi qui viennent dans le centre-ville faire leurs emplettes, hein. Ils viennent se réchauffer chez nous, viennent c'est entendre ça. La messe. Monseigneur Tchimikalas peut la dire, c'est le meilleur restaurant en ville aussi. Ah oui, parce ah bon? Parce qu'on ne sert pas n'importe qui. Non, je comprends. Maintenant, à l'occasion de Noël, vous avez À l'occasion de Noël, on a eu quelque chose d'extraordinaire, comme à chaque année. Les gens de la Sun Life nous fournissent le carillon à l'entrée de la messe du minuit. Et tout de suite, les gens sont accueillis par le Chœur polyphonique de Montréal, qui donne un concert de 45 minutes. Puis c'est la messe ensuite, ça. Qui est avec tous les chants traditionnels, puis une grosse chorale aussi, puis les grandes orgues, enfin. C'est vraiment comme on retrouvait chez nous, par exemple, à Saint-Michel-des-Saints, où je suis né. C'est vraiment, oui. Là, chez nous, vous pouvez retrouver exactement ce que vous trouvez dans vos municipalités. L'esprit là, de la paroisse où tout le monde est ensemble. Exactement. Puis partage. Puis on a eu également un banquet pour les pauvres, les gens seuls du centre-ville aussi. Ah, oui. Je pense qu'on fait un effort pour s'ouvrir un petit peu. Bon, ben, même si le prochain Noël est loin, je pense qu'il y a bien des gens qui vont aller à la prochaine messe de minuit à la cathédrale. C'est là-dessus qu'on doit s'arrêter. Merci infiniment, Monsieur l'abbé. Merci. Eh bien, on va continuer dans le domaine des chansons. Mademoiselle Diane Bolduc est la suivante. Elle nous arrive avec son beau sourire. Vous allez chanter quoi? Il m'a tant fait plaisir. Oh, il vous a fait plaisir à ce point-là. Vous allez vous faire plaisir en chantant aussi. M'en revenant de l'Orléans, j'ai fait une rencontre. Dans mon chemin, j'ai rencontré un garçon bien distrait. Il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. Il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. Il m'a tant fait de politesse que j'en suis toute ravie. Il m'a tant fait de politesse que j'en suis toute ravie. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher que de l'éviter. Chansons honnêtes. Quand nous étions assis à table, nous chantions des chansons honnêtes. Ah, j'ai pas pu m'en empêcher, qu'elle ait quitté pour coucher. Il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. Il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. Ah, je lui fis dresser un lit au pied de ma couchette. Ah, je lui fis dresser un lit au pied de ma couchette. La chose est véritable. Ah, oh, la vie, ce qui m'a dit, la chose est véritable. Il m'a fait ce qu'un autre m'aurait fait. Si l'occasion soit plus entrée, il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. Il m'a tant fait plaisir que je pensais mourir. On a besoin de vous. Merci beaucoup. Le suivant va vous faire un de ces petits numéros pas mal spécial, je pense. Vous le voyez, d'ailleurs, il y a une mandoline, puis il va chanter avec sa mandoline à part ça. C'est M. Monnette. Monsieur. C'est Paul Monnette. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous chantez, M. Monnette? Avec Ariel Desfoins. Qui c'est qui a fait ça, cette chanson-là? Ça a été, c'est une chanson qui vient de la Beauce. Ah oui? Puis moi, je l'ai pris sur un enjeu par quelqu'un qui était de la Beauce. Puis lui, il s'accompagnait avec la musique à la Beauce. La musique à Beauce, mais ça moi, va j'ai pris la ça. Mandoline. Allons-y donc. Thank you.
Et maintenant, on va aller de l'autre côté, si vous voulez. Moi, je voudrais vous présenter un monsieur qui a une particularité, un talent un peu spécial. Il chante, évidemment, mais aussi il tape du pied. J'en ai pas vu, je n'ai pas entendu encore un tapeur de pied comme lui. Vous allez d'ailleurs le constater. C'est M. Luc Laroche. M. Laroche, vous allez vous accompagner avec votre tapage de pied dans une petite chanson que vous appelez comment? Les pieds sur le camp. Ah, les pieds sur le camp, ben je comprends. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Mon genou roulant, ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Mon genou roulant, ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Mon gros ventre de son, ma cuisse grossette, mon genou roulant, ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Mon estomac plomb, mon gros ventre de son, ma cuisse grossette, mon genou roulant, ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Ma gorge de pigeon, mon gros long estomac plomb, mon gros ventre de son, ma cuisse grossette, mon genou roulant, ma jambe arlinguette, puis mon pied sur le camp. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. J'ai le pied fait sur le camp au Matondaine. Maintenant, on va voir de la gigue. La gigue qui va être exécutée. Ça s'appelle le Reel de Saint-Jean par un groupe des Sortilèges. Voulez-vous vous placer tout de suite? Moi, je voudrais dire un petit mot à celui qui les amène ici ce soir, M. Pierre Chartrand. Il vient présenter M. Desgenova, que je voudrais saluer aussi, sûrement. Oui. C'est bien sûr, M. Bonjour. Je vous ai apporté ça. Oui. Vous savez, la troupe fait des spectacles, mais on s'occupe aussi de l'enseignement aux enfants. Tout ça, on fait des publications. Oui. Vous avez apporté notre dernier nid. C'est oui. Un cahier de musique et de danse. Donc, on retrouve dans ça les mélodies qu'on sert pour la danse, dont, par exemple, la danse qu'on va faire, et aussi les danses. La chorégraphie, les danses. La musique, tout ça. Extraordinaire. Je vous en remercie infiniment. Ça nous a merci fait beaucoup. Plaisir. Maintenant, on va regarder la gigue. Allez-y donc, en avant la musique. Thank you.
La 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 la
accueillait ce soir, monsieur et madame Homère Lantaigne. Bonsoir, madame Lantaigne. Bonsoir, monsieur Lantaigne. Bonsoir, monsieur Bilodeau, vous voulez corriger Lantaigne? C'est Lantaigne. Lantaigne. Bon, je m'en excuse, okay, monsieur. Madame. On avait pris les noms rapidement au début, là. Vous n'êtes pas offusqué, j'espère. Avant tout, pas tout, au contraire. Il n'est pas trop content. Oui? Non, je vous garde pour une. Pas offusqué parce que je vais vous garder pour une petite faveur. Vous voulez me garder pour une petite faveur? Oui. Personnel. Personnel, mais est-ce que les gens peuvent savoir de quoi il s'agit? Ils vont tout le comprendre, j'espère. Oui. Bien, savez-vous qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'habitude, on jase longtemps avec nos doyens. Oui, j'ai remarqué ça. Ben oui. Vous regardez ça, monsieur? Vous regardez ça habituellement, la soirée canadienne? Généralement, oui. Vous regardez ça? Ça vous plaît, je suppose? Beaucoup. Oui. Énormément. Maintenant, habituellement, on demande aux gens comment ils se sont rencontrés. Vous en rappelez-vous de votre rencontre avec madame? J'ai rejoint un tour à un de mes chums. C'est vrai, oui? Lui m'a arrangé, il l'a lâché. C'est dans la vie, c'est comme ça. Puis après ça, ben, je l'ai embarqué dans le steamboat de l'amour. Naviguer dans les eaux de la vie conjugale, ça fait 52 ans déjà. Ça fait 52 ans. 52 ans. Il est enfin, le bonhomme. Ouais. Il a l'air d'être taquin un petit peu. Hein? Il est toujours comme ça? Ah, oui. Ça me surpose dans l'enfant. Ah oui? Je l'ai taquiné souvent, j'ai fait 10 enfants. Ouais, 10 enfants? Oui. Je vous félicite. Pas de pilule. Pas de pilule. Elle ne peut pas les avaler, c'est ça. C'est, elle ne peut pas avaler la pilule. Elle ne peut pas avaler. C'est impossible. Impossible, ça faisait mal. Mais tant mieux, voyez-vous, vous avez toute une richesse aujourd'hui, tous ces enfants-là. Oh, oui. Certain. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie, vous? Moi, j'étais maître boucher. Ah oui? Ouais. Maître boucher. Ouais, je n'ai pas débuté du même, j'ai débuté des animaux. Des animaux. Oui. pas varié, quelque chose de pur. Donc, de la bonne viande. La bonne viande. Ça n'a pas passé à la séco, ça, non? Non, ça n'a pas passé parce qu'ils m'ont pas poigné. Spirituel, hein? Il est amusant. Savez-vous ce que je regrette? Habituellement, comme je vous dis, on cause un bon moment avec les doyens. Mais là, ce soir, on se trouve quasiment pris serré. Là, vous ne m'accordez rien. Ben, à peu près pas grand temps, là. Ben, écoutez... Vous auriez peut-être juste un petit mot pour terminer tout ben, ça, si non? Vous voulez me laisser la parole, je vais y aller. Allez-y donc! C'est parce que je voudrais, moi, d'abord, j'ai été délégué par Montréal. Les centres d'âge d'or de Montréal. Ah bon? Alors, je voudrais dire bonsoir à tous mes copains et copines de l'âge d'or de Montréal, ainsi que le comité dont je fais partie, et notre monitrice en or, Mme Marie Reynoul, qui dit qu'elle a un comité en or, puis mon comité, oui. C'est un comité en or. Ah, puis les membres, c'est tous des membres en or. C'est comme ça dans toute la ville de Montréal. Féliciter et remercier nos échevins, excepté un. Je vais le faire tout à l'heure parce qu'il est présent. Oui, ben oui. Les autres présents. Mais j'aimerais aussi féliciter Mademoiselle Nicole Vendelder, qui nous a rendu un grand service à l'année. Moi, j'ai discuté avec elle. C'était un vrai plaisir. Et Madame, vous en avez plus, là. Madame Monique Rivard, à bon, vous en avez plus, là. J'en ai encore un paquet. Oui, parce qu'il faut arrêter. On vous remercie, M. Lantaigne. Merci beaucoup. Et maintenant. Monsieur Gilbert Ouellet, c'est lequel, celui-là, Monsieur Ouellet? Ah, c'est vous, Monsieur Ouellet. Venez donc chanter, c'est à votre tour. Quand le bonhomme revient du bois, épéouigna, épéouigna. Quand le bonhomme revient du bois, épéouigna, épéouigna. C'est la bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. La bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. Je voudrais bien rentrer, madame. Oh, bonne dame. Rentrez donc, je vous en prie. Mon mari n'est pas ici. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qui se trouve, c'est qui font rien. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qui se trouve, c'est qui se trouve. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qui se trouve, c'est qui font rien. Mais après qu'il fut rentré, épéouigna, épéouigna. Et la bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. La bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait. Je voudrais bien vous embrasser, madame. Oh, bonne dame. Embrassez-moi, je vous en prie. Mon mari n'est pas ici. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qui se remonte, c'est qui se remonte. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qui se remonte, c'est qui font rien. On n'est pas des gens de rien. Qui se remonte, c'est qui se remonte. On n'est pas des gens de rien. Qui se remonte, c'est qui font rien. Mais après qu'il eut embrassé, et puis oui, gna, et puis oui, gna. Et la bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. La bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais bien me coucher, madame. Oh, bonne dame. Couchons-nous donc, je vous en prie. Mon mari n'est pas ici. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Mais après qu'il se fut couché, et puis oui, hein.
Et puis oui. Et la bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. La bonne femme qui lui demande qu'est-ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais bien revenir, madame. Oh, bonne dame. Revenez, je vous en prie. Mon mari travaille de nuit. Nous ne sommes pas des gens de rien. Qu'est-ce que vous dites? Nous ne sommes pas des gens de rien. Qu'est-ce que vous dites qu'ils font? Nous ne sommes pas des gens de rien. On avait encore d'excellentes chansons à vous faire entendre. Qu'est-ce que vous voulez? Le temps a passé très rapidement. Je voudrais remercier tous ces bonnes gens de Montréal. Et en particulier, je voudrais remercier M. André Leduc, qui est le coordonnateur des activités ou des activités culturelles de Montréal. C'est lui qui a été, en fait, le coordonnateur de cette émission, si vous voulez. Il recevra la photo souvenir du groupe, de même que les micro-sillons de Soirée canadienne. Je veux également remercier M. Séguin, M. Clément Séguin, qui a fait le texte. On va terminer ça avec les sortilèges qui vont nous faire la danse du ballet. Et moi, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour une autre Soirée canadienne. Bonne semaine, tout le monde. À la prochaine. Allez-y donc, en avant la musique. Dans un moment, Perry Mason suivra à 23h au cinéma Bleu Nuit le film Body avec Madonna et Willem Dafoe. Un avocat tombe sous le charme vénéneux d'une cliente accusée d'avoir tué son amant pour toucher un héritage.